Bonjour mes étoiles. Aujourd'hui, pour le calendrier de l'Avent, le pas de Vals. Ce pas se décortique à l'identique des temps forts et faibles musicaux de la valse. C'est un pas sur trois mouvements. Le premier est un temps fort, on va donc faire un pas. Les deux autres sont un temps faible, donc on fera deux petits pas. Facile. Un grand pas, deux petits pas. Un grand pas, deux petits pas. Si on fait une version un peu plus danse classique, on va donc aujourd'hui apprendre la valse de côté. On va se mettre en cinquième, en troisième ou en première, faire un pas de côté, puis deux petits pas, un grand pas de côté, puis deux petits pas. Ok, on ajoute des pointes. Donc, pointe, pointe de derrière, je fléchis, pointe de devant, et je fléchis. Et de cette jambe qui a déjà la pointe tendue, je repars. Pli, pointe, pointe. Pli, pli, pointe, pointe. Pli, pli, pointe, pointe, pli. J'aime la prendre sur le plié. Vous pouvez aussi la retrouver sur un plié, demi-pointe, demi-pointe, plié, demi-pointe, demi-pointe. Ce qui féminise un peu plus le pas. Le pas commencera du côté de la jambe derrière si vous débutez en cinquième ou en troisième. Sur le pas, le temps fort, nous avons les bras ouverts. Puis je fléchis, même bras, même jambe. Je monte sur demi-pointe et je pose. Et je recommence. Plie, monte, descend. Plie, monte, descend. Et tout ça avec la grande élégance que nécessite la valse. Continue. Je vais la proposer en tournant juste pour vous embêter. Et les deux dernières. Et je vous laisse valser à souhait et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!